Mais après, voilà, hein. Sur Facebook, j'ai fait plusieurs posts, hein. J'en ai fait 3 ou 4 au moins. Mais bon, on arrive petit à petit, avec un peu de retard. Mais bon, 18h, c'est une mauvaise heure pour nous. J'aurais déjà dit quand ils l'ont fait que 19h, c'était mieux. Parce que les gens, ils travaillent en France. Faut le savoir, hein, voilà, hein. Je pense que les posts YouTube seraient plus intéressants. Je suis d'accord, en fait. Twitch. Mais le truc, c'est que je veux pas pourrir ma chaîne YouTube avec des annonces. Il y a la Pro Chess League, il y a d'autres trucs. Ça se passe comment, nombre de participants? Ben, en fait, il y a que les mecs qui vont. Mais en fait, il y a des mecs qui se désinscrivent de chez nous, quoi. C'est horrible. Et ce sera tous les vendredis. Alors moi je vais commencer ma partie dans une minute. Non mais pour avoir les pubs, comment tu t'appelles? Twitch, allez, on joue contre Carapune. Un Argentin. Eh ouais, mais c'est vrai que les Argentins. Allez, on lui fait quoi? Allez, bim, on fait cavalier F6, on va lui faire B5. Allez, vous allez voir, on va se marrer. Bim, dégage! Regardez la PLS là qui se prend. Regardez la PLS de Carapune. Bim, A6, dégage. Prends le pion. Ah, tu ne sais pas jouer, fais attention. Allez, on se motive. Là, ça y est, on l'a mis en sueur là. On a mis Caru Payune en sueur. Bon, écoutez, on va prendre. Et on va faire E6. Moi, je dis, pour le moment, on n'a qu'un pion de moins, mais on a ouvert des lignes. Moi, je dis, on n'a qu'un pion de moins, les mecs. Et contre ce pion, on a quand même ouvert un maximum de lignes. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et on va bien voir ce que ça donne. Les lignes ont été ouvertes. Alors, s'il fait pion prend C5, on va faire Dame A5 échec, forcer Cali C3 et fou prend C5. Et après, on jouera Rock et on jouera l'activité, quoi. Non, on est pas mal, les mecs. Sérieux, on est pas mal. Sérieux, on est pas mal. Il fait pion prend, on fait dame A5. Ok, il protège. J'ai envie de dire, on fait fou A6. Ok, on veut fou prend B5, fou prend B5, dame A5 échec et taper le fou. J'ai envie de dire, on fait des pièges. Attention les mecs, on fait des pièges. Alors là, je suis très heureux de tenter mon premier piège de la journée, évidemment. Évidemment. Bim! Bim, le piège, la double attaque. Mais oui, Carapayoun. Tu ne vois rien. Oh là là, en 15 plus 2, les mecs, se prendre une petite magouille comme ça. C'est quand même triste, c'est chum. Allez les mecs, je marque mon point. Allez, je ramène mon point à la Team France. Oh, le piège du dimanche. Oh, la PLS de Carapayoun. Allez, abandonne. Abandonne! Abandonne Carapayoun, allez, allez l'Argentine. Brésil. Non mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Il va me la jouer. Non mais attends. C'est abusé, non? C'est abusé, tu joues en 15 plus 2, après 7 coups, t'as une pièce de moins. On est sorti de la théorie, il était plus là. Il n'y avait plus personne. Hein. Vous avez vu les mecs quand vous sortez de la théorie, après 6-7 coups. Ah, t'es là? Non, je suis là. Il n'y a plus personne. Les mecs, oh, ils sont en apnée. Ils sont en apnée théorique. C'est-à-dire, ils savent plus ce qui se passe. D4, c'est C4, B5. Où je suis? Ouais, t'es 2000, dégage. Ouais, mais bon. Issou. On se sent meilleur que Cricor. Ouais, bah, ça, j'ai envie de te dire, c'est pas très dur. Alors, Dame B6. Allez, bim. Allez, bim. Allez, bim. Fou prend C5. Attention, un petit piège. Sur B4, fou prend B4, il y aurait tour B1.
Faut pas se faire contre ma bouillée. Issou. Allez. Non, mais Cricor qui a bien joué quand même hier. Il rejoue d'ailleurs. Hein. Mais faudra voir la vidéo de demain matin où j'explique un petit peu tout. Par rapport à Cricor, pourquoi le match s'est mal passé pour Cricor, etc. Est-ce que je peux faire B4, Kay prend B4? Ah non. Okay. Parce que là, je voulais faire B4, fou prend B4, tour B1, dame A6. Mais je pourrais pas sur-reprendre. Bon, écoute, on va voir. Issou. Issou. Issou, ça se passe bien pour la communauté hispanique. Bon, allez, joue Carapayoun là. Pff. Ah, c'est long, hein. Mais on l'a quand même mis bien en PLS, non? Le petit piège là, ça l'a mis en PLS, je crois. Je crois que ça l'a mis en PLS. J'ai envie de dire. Sueur! Alors, il fait quoi là, Carapayoun? Est-ce qu'on va finir la partie avec plus de temps qu'on l'a commencé? Allez, venez, on fait. Venez, on fait un challenge, on finit avec plus de temps qu'on a commencé. Le délire. On a 15-18, on doit tout le temps rester au-dessus de 15 minutes. On se fait le délire ou pas, les mecs? Dans le chat, vous en pensez quoi de ce délire? Est-ce que c'est un délire qualitatif? Est-ce qu'on est dans un stream de qualité si on fait ça? Allez, je fais des 5 au prochain là. S'il fait rien, je lui fais des 5. Mais là, c'est clair, il dit, ouais, je joue contre un 22-88, le mec est dans la game, machin. Alors, bon allez, je. Allez, on tente vraiment de terminer au-dessus des 15. Hein. Ok, si on perd, on perd, hein, c'est pas grave. C'est pas grave, Ario. Les challenges, c'est ça, c'est pour ajouter un peu de piment. Je joue tout tempo, il doit être écœuré. Je vais l'écœurer de la vie. Il va plus jamais rejouer les tournois. Vas-y, viens, fais B5. B5 et A5, je te bloque. Ouais, peut-être mettre K en E4, la tour en C8, bon, on est bien. S'il fait A4, je pense que je bouffe tempo, et on voit après. Ok, peut-être on perd après, hein, mais bon. C'est la vie, au moins on s'amuse. On n'a qu'une vie. We have only one life. On le bloque. On va lui mettre une petite tour en C8. Il peut faire un truc type KA et D4 qui est un peu chiant. On a que 30 secondes pour réfléchir, donc il faudra jouer vite. Il peut faire KA et D4, ça peut être pénible KA et D4. Pour me planter un cavalier en C6. Mais faire après A4, A5, c'est peut-être pas si simple, mais bon. C'est peut-être pas si simple. Mais bon, cavalier D4, peut-être on fait fou C5, et sur fou prend A5, tour prend A5. Cavalier C6, on a le temps de bouffer A3. Ok, donc cavalier là. On fera fou C5, et sur fou bouffe, tour bouffe, cavalier B3, on a aussi tour prend A3. Ok, donc sur cavalier D4, je pense qu'on fait fou C5 tempo. On réfléchit même pas. Et sinon, je pense que dans tous les autres cas, on fait cavalier E4 tempo. Comme ça, on va faire cavalier prend D2, un peu bloquer les pions, on se réorganisera plus tard, mettre le fou en F6. Ok, je pense qu'on sait ce qu'on va jouer. Et salut à Arzekis qui est nouveau ici. Cavalier E5, c'est la même idée que l'autre. On va faire fou D6. Et sur fou prend A5, tour prend A5. Cavalier C6. Oui, il n'y a pas cavalier C4, le pion n'est pas cloué, j'ai halluciné, j'ai eu peur de cavalier C4, il y a clouage, mais il n'y a pas clouage, et sur cavalier C6, du coup, on a tour prend A3. Issou. Ok, c'est chaud, hein, on veut jouer très vite contre un mec qui prend du temps. On prend d'énormes risques. On prend d'énormes risques. Mais je pense qu'on a tout sous contrôle. Pourtant, vraiment ne pas perdre du temps. Pas perdre de temps, pas perdre de temps, pas perdre de temps. Finir au-dessus des 15 minutes. Finir au-dessus des 15 minutes. Salut à Sapiqué FR qui nous met un Pikachu dans le chat. Il est là, Sapiqué FR. J'ai envie de te dire, ça pique. Ou ça pike. Allez les mecs, on continue notre challenge. On va lui chercher le pion à 3. Allez, il réfléchit.
Il réfléchit à fond. Le niveau de sueur est grand. Okay, C6, tour prend à 3. Tempo. On continue à jouer vite. Joue vite et bien. Et c'est vrai qu'on est pas mal, les mecs. On lui a tapé le pion A, du coup, il va plus pas pouvoir faire les deux pions passés liés. Bon, il a que son cavalier qui est un petit peu chiant, mais on va le gérer. S'il fait tour prend A3, on va faire fou prend A3, tour A1, fou C5, tour A6, dame B7, comme ça le fou C5 il contrôle. Après on fera du tai chi, K D7, fou B6, on foutra le fou en B6, on foutra le fou en B6, K en D7, on fera tour C8, K B8 un jour, je sais pas comment on va se débrouiller, mais on va chasser le caval, et après ça ira tout seul. Là je pense K D7 notre prochain coup, avec idée cavalier quelque part. Et tour 1, ouais, vraiment fou ici. Comme ça, sur tour A6, dame B7, on contrôle tout et K et D7 qui revient. Ouais, je pense qu'on est. Tout s'entre-protège. Issou. On va faire K et D7 quand même. Et on va aller chercher fou D6, cavalier E5 pour aller mettre le cavalier vers C4. H5, on fera un petit coup de H6. On va gérer ça, les mecs. On a 3 parties, Kev, c'est ça? Non, on a 6 parties au final. Trois fois 2. Ça devrait aller, hein. Ok. On est capable de la perdre, hein, mais bon. Qui ne prend pas de risque ne s'amuse pas, j'ai envie de dire. C'est une nouvelle expression. C'est vrai que sinon, c'est un peu ennuyeux comme partie. C'est vrai que bon, c'est pas passionnant. Mais bon, là, on a notre petit challenge. C'est vrai qu'on prend de l'avance. Est-ce qu'on peut finir à 16 minutes? Cavalier E4, C3. Ouais, peut-être qu'il y a E4, C3, c'était pas mal. Moi, je voulais me débarrasser de son truc. Moi, je veux me débarrasser de son cavale. En fait. Mais sérieux, il prend des plombes à jouer, hein. C'est hyper long, hein. Allez, peut-être il fait dame prend G5. Ok, F3 échec, on gagne la dame. On est plus ou moins obligé d'échanger. On va mettre le fou en F6. C'est quand même très sécurisant ce fou en F6. C'est quand même très sécurisant. Alors, on va en profiter pour lui proposer l'échange des dames parce qu'il veut jouer H6 et qu'on puisse pas prendre. Comme ça, on va ramener la dame vers E5 peut-être. Puis vers E4, puis le fou en E5 pour bien bloquer le pion. Que je pense qu'il va faire B6 ici. On va pouvoir faire dame E4, provoquer l'échange. Prise, prise. B7, fou E5. Tour C1. Tour B8. Tour C8, échec. Il va penser qu'on va devoir faire tour prend C8. Mais on fera roi H7. Il va pas l'avoir vu. Vous allez voir. Non, il continue pas comme ça. Alors. Mettre le fou en E5 quand même déjà. Peut-être dû jouer D4, c'était mieux. La tour en B8, ça c'est sûr. Mais j'aurais dû jouer D4, ça aurait été plus précis.
Comme ça, on a bloqué le pion maintenant. On a bloqué le pion. Bon, il y aura des milliers de coups pour gagner. Tour B3. Alors, il menace absolument rien. Menace absolument rien. Comment on finit ça facilement? J'ai l'impression que je me pose des problèmes pour rien. J'ai l'impression que je me pose des problèmes pour rien là. Je sais pas pourquoi je suis pas allé prendre son pion. Je suis allé me mettre dans le caca tout seul. J'aurais dû faire D4 plus tôt. Bon, je vais faire Dame H4 qui est mauvais. Dame H4 c'est quand même très mauvais d'ailleurs. Peut-être pas si mauvais que ça, remarque. Mais ok, je veux faire Dame H2, Dame H1, échanger les dames. Et s'il se barre avec sa dame, il peut aller en F3 éventuellement. Bon, sur quoi je ferai Dame C4 probablement. Et je repartirai de ce côté-là. F4. Ok, je vais faire fou D6. Mais oui, j'ai pas joué parfaitement. Clairement, je me pose tout seul des problèmes. Je suis en train de me poser tout seul des problèmes et me poser des questions que je devrais pas me poser. Ok, il fait dame F3. On va faire dame E7. Mais oui, je me pose des questions tout seul. J'aurais jamais dû laisser son pion avancer aussi loin. Bon, là, on va récupérer, ça va aller tout seul. Mais j'aurais dû gagner plus facilement. Je m'en veux un petit peu. C'est pas très grave, mais c'est pas normal. On va le prendre. Ça fera toujours plaisir. Va mettre le rang H7. Ça, on prépare la tour en G8. On prépare tour G8 ici. Ok, on va faire F5. Il va réussir à sauver son pion. J'aurais dû faire roi H8 qui aurait été plus fort peut-être. Quoique les dames B2 échec. Qui sait? Il fait dame C8. Ouais, on l'a laissé. On l'a laissé trouver du jeu. Il joue pas mal tout d'un coup, hein. Alors, faut pas qu'on oublie notre challenge. Je vais être capable de la perdre, celle-là. Pour la perdre, peut-être pas, mais dame C2, dame machin, c'est belle ressource qu'il a trouvée. Je sais pas comment on a fait pour se retrouver mal comme ça. Enfin, mal. On reste bien, mais comment on est plus tant sous contrôle que ça?
Sa dame arrive en C8, c'était pas prévu. Sur dame C7, il y a dame prend E6. Non mais D4 c'est bien, ça va permettre de réactiver le fou. Ça c'est plutôt intéressant. Ok, ça je comprends rien. Ok, je vais prendre ici. Il y a un truc qui me fait peur, c'est tour prend. Tour ici, mais je crois qu'après fou prend F4, il n'y a pas dame C8. Je sens qu'il était tour G8. Moi, je ferais peut-être dame prend B7 du coup. Il n'a pas d'échec, je vois dame B1, dame machin, dame échec, échec. C'est pas si simple. Ou alors il fait tour G3, je fais fou prend, il fait tour G8, je fais fou E5. Et je crois qu'il a plus d'échecs. Et j'ai idée tour prend B7 après. C'est fantastique en fait, je me suis mis en difficulté. Dame C2. Waouh. Ok, je vais faire D3. Ok. Trouve des ressources, hein. Je vais prendre ici sur échec. On va faire un échec, nous, ici. Ok, par là-bas. Je vais faire un deuxième échec. Ici, par ici, je vais lui coller un troisième échec avec la tour. Je vais recoller un échec comme ça. Ok, j'aurais souffert pour gagner ce truc. Je vais lui coller un échec ici. Je vais lui coller un échec ici. Et je vais lui coller un mat. Issou. Yes! Première victoire pour l'équipe France. Première victoire pour l'équipe France. Ah, on rejoue une revanche. Bim, la grobe. Bim, 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 bim. La grobe. Le niveau de sueur, Karou Payoun. D5, le noob, fou G2, on est là. Bim, la grobe, la grobe, la grobe, la grobe. Twitch, je le gagne et même pas de, n'est même plus de 2000, quoi. Ouais, mais bon, faut la gagner, hein, les parties, Twitch, Twitch. Faut les gagner, les parties, hein. C'est pas parce qu'il a peine 2000 que ça se gagne tout seul, hein. Peut-être toi, tu crois que ça se gagne tout seul, mais ça se gagne pas tout seul, hein. J'aurais dû faire un truc pour qu'il fasse C6. Bon. Est-ce que toi, tu les bats facilement, les joueurs à 2000? C'est pas si simple, hein, les gens. On a l'impression, là, comme ça, on s'assied, que c'est facile de battre des mecs à 2000. 2000, c'est pas si mauvais, hein. C'est pas si mauvais, 2000. Ça joue déjà un peu aux échecs, il y a peut-être quelques années de club. Issou. Mais ça, la grobe, il l'a jamais vu. Non, elle met quand même en sueur. Ce serait cool qu'on soit 2 sur 2 là, direct, pour faire du bien à la Team France. Allez, la Team France! Allez, la Team France, on y va.
Alors, on va prendre une fois. En D5 pour commencer. On espère qu'il y ait des 4, dame à 4 échecs pour lui refaire un petit issou. On espère les issous. Allez, on est pas mal. Peut-être un jour, ce qui est D4, un dame à 4 échecs, il refait KF6, on lui fait KF prend F6 échec, prise, on lui refait dame G4. La même que tout à l'heure, mais dans l'autre sens. T'es là? Non, je suis là. On sent qu'il souffre hein, face à la grob. Une nouvelle fois. Après 6 coups dans l'ouverture, il est déjà dans le dur. Allez, on sent. Hein. On sent que les ouvertures, c'est dur. Je sais pas ce qui se passe dans les autres parties. Dit l'ouverture du turfu, mais complètement. Complètement. On joue sur les ailes. On est mené 13-2, les mecs. Hein. On se fait défoncer, les mecs. Hein. On est mené 13-2, tout le monde se fait défoncer. C'est grave. On se prend un massacre, là. 13-2. Heureusement que je suis là pour sauver l'honneur, les mecs. Hein. Parce que sinon, on est mal de chez mal, là. Allez, non. Arrêtez tout, les mecs. Ah, il a C6. Attendez. Attendez, est-ce que je peux prendre... Allez, je calcule pas. Je calcule pas. J'ai pas calculé, mais je la sens bien. Je menace dame prend D4 et il peut pas bouger le truc parce que sinon... Sinon, il y a le fou derrière. C'est peut-être pas complètement gagné parce qu'on a plein de trous partout. Ouais, peut-être il y a fou C5 encore et sur pion prend, le roi il est tellement au bois. C'était peut-être pas terrible ma variante. Mais j'ai tellement envie de lui placer la même tactique que dans la partie 1. Mais en réalité, peut-être que je suis très mal. Je sais pas si le roi survit vraiment en fait. Ouais, ça peut être un peu hard. Ok, KF3. J'avais pas pensé, les mecs. Et ouais, parce que j'ai pas le. Ok, on va faire roi F1. Avec idée qu'il prend G1, dame prend G4. Et le cavalier est enfermé. Attention, il y a pas mal de trucs en prise. Que je m'associe dame E4 échec maintenant. Ça peut être un peu dur. Mais il a cavalier E5. Il a cavalier E5 qui défend tout. Il a cavalier E5. Ah, il a cavalier E5. Ah, d'accord. Ok. Il y a cavalier E5, on fera D4 et ça joue. Ok. Le coup n'est pas passé loin. Il était pas loin de se la faire coller quand même, hein. Il était pas loin de se la faire coller. C'est pas passé loin. Ok, il va peut-être faire cavalier E5, D4, qui est D3, dame B3, qui est prend C1, dame prend B7. Bim. Ah, mais qui est D3, il menacera mat. E4, qui est D4, qui est D3, il menacera dame F2 mat. Ah ouais, ça ce sera super pénible en fait. Ah ouais, s'il fait cavalier E5, en fait, j'ai pas vu quand il rebondit en D3, il menace mat en F2. Ah ouais, c'est hyper chiant ça. Ouais, s'il voit ça, on est mal, hein. Alors peut-être cavalier E5, je fais dame B3 en premier. Et après, ah ouais, mais il y aura fou F6 avec tempo. Ah ouais, on est super mal, les mecs. Là, on fait la gueule, hein. Ah, on est vraiment très mal. On est vraiment très très mal. Peut-être sur cavalier E5, il faut juste faire cavalier E2 et se développer en fait. Non mais là on est vraiment mal, hein. Et oui, on montera cavalier E2 et... Et ok.
Résiste. Ouais, du coup, s'il fait qu'il y ait D3, on aurait Dame 4 échec. Ok, oui. On serait bien qu'il joue un poil plus vite. Il y a 14 à 2. On se fait défoncer, les mecs. Hein. C'est insupportable. C'est sérieusement insupportable. Je sais pas pourquoi il réfléchit autant, hein. Franchement. Ça devient un peu relou là, Karapayun là. Nul, nul, nul! Pourquoi pas pion F3? Parce que je menace rien en fait si je fais F3, je suis sur un clouage. Donc j'ai plutôt envie, tu vois, de sortir mes pièces un petit peu. Parce que là je suis quand même assez mal placé. Du coup j'ai envie d'essayer de ramener mon cavalier vers E4 peut-être pour défendre un peu des trucs. Je sais pas ce que je veux faire. Allez, on fait cavalier 2 tempo. Ok. Ce truc, c'est que toutes mes pièces sont mal placées en fait. Donc, peut-être qu'il y ait G3. Au moins, quand je fais D4, qu'il y ait D3. J'aurais qu'il y ait E4. Je défends F2. J'attaque F6. Tu vois, c'est pas idéal, mais au moins, je vivote quoi. Après, il y a fou F3 qui est super pénible ici. Il y a beaucoup de coups hein, pour. Fou F3, peut-être je fais Dame F4. Ok, je protège un peu. Bon. Ce qui est sûr, c'est qu'on le fait énormément réfléchir. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais on se fait défoncer sur tous les échiquiers, quoi. 15-2. Ben Spy. Ben Spy, Ben Spy dans le chat. Salut à toi. Bon, écoutez. La voie de la sagesse serait de faire Dame F4, mais la voie de la grob dit Dame A6. C'est quand même super ridicule Dame A6. On attaque avec une pièce, il n'y a absolument rien. Franchement, si on la perd, ça m'étonnerait pas. Ok, maintenant l'idée c'est de faire D4. Si bouge le cahier, il y aurait Dame prend C6, échange des dames. Mais franchement, celle-là, si on la perd pas, c'est très cool. Qu'après, il y a peut-être des variantes sympas. Genre fou C5, D4, qu'il y ait D3 menace mat. On va chercher cavalier F4, qu'il y ait prend F4, dame prend C6 contre échec, on encaisse la tour. Ok. Fou F3, je pense que c'est très bien joué de sa part, là, pour la peine. Alors, c'est un peu la cata. Notre roi va se retrouver encore plus faible. Est-ce que je fais cavalier D4 qui est pourri? Et je défends des cases. Bon. Esprit, machin. Je pourrais la perdre rapidement quand même. Enfin, je mériterais. Je mérite pas de la tenir celle-là, mais bon. Quand même gros avantage au temps en plus. Là, j'ai gros avantage en plan, mais genre il a encore beaucoup de temps en plus. Donc ça me paraît quand même plus que compromis. 7 minutes, ça me paraît plus qu'assez. Mais bon, faut continuer à jouer vite. On va voir comment, on va voir comment il conclut. Il peut un peu trembloter là. Il sait pas ce qui se passe. Il y a 16-2 dans le match. Il y a 17-2. Non, mais attendez, mais vous perdez tous quoi. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette équipe? Sérieux, pour le deuxième match, je veux une équipe beaucoup plus solide, hein. On va faire F4. Allez, on joue tempo. On est complètement foutu. Je pense qu'on va la perdre, les mecs, hein. C'était osé. On a essayé de faire le dame à 4 échecs qui était très mauvais à première vue, hein. Ouais. Il était très mauvais à première vue et il était très mauvais à deuxième vue aussi, du coup. Truc là qui peut juste faire fou prend ici hein.
On peut s'inscrire au second match? Oui, je pense, hein. Je sais pas si on peut remettre les liens. Le deuxième match. Il est là. Et pour s'inscrire, on va te le remettre dans le chat. Et le lien pour s'inscrire, faut s'inscrire au club d'abord. Enfin, sérieux, qu'est-ce qu'il réfléchit? Non, bien sûr, c'est plus la Team France. Enfin, là, c'est ouf en fait le niveau de jeu. T'inquiète pas, Yannick, je suis arrivé pour la deuxième. Tu veux commencer en direct? Bah, en fait, là, tu vois, je joue ma partie, quoi. Mais le mec est lent, en fait. Pas mon idée, c'était de jouer vite. Mon idée, c'était de jouer vite et d'aller un peu voir vos parties. Mais je joue contre un mec qui est super lent. Pourtant, je joue complètement de la merde, tu vois. Mais et je me dis, ok, peut-être que le mec, il va jouer un peu vite et machin. On va pouvoir aller vous voir jouer. Mais en fait, quoi qu'il en soit, il joue très lentement. Et donc, c'est pas évident, mais bon, si tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Le niveau de sueur est important. Mais je sais pas si on va la survivre, hein. Va-t-on survivre? Va-t-on survivre à Karapayoun? On a le t-shirt Blitzstream sur le maillot, les mecs. On est là, on se bat. Sam qui met le lien du prochain match. Mais on l'avait déjà, Sam. On est là, Sam. Sam, on est de partout. Faut le savoir, le but du rapide, c'est de prendre son temps. Bah, ça s'appelle rapide. Moi, maman m'a dit, tu joues des rapides. Je joue vite, quoi. Allez, on est là, les mecs. Il est en sueur, Karapayoun. Il est en sueur. Allez, les chats. Allez, on est des chats, maintenant. Ça y est. On est une équipe de chats. Allez, ça, c'était déjà prévu. Roi F2. Il va faire dame ici. Roi F3. Il n'y a pas de souci. Tranquille. Tranquille, les mecs. Pas de stress. Pas de panique. Le roi est bien. On panique pas. C'est très important de ne pas paniquer dans ces positions-là. No stress. Pas de stress. Il y a point S. Pas de stress, les mecs. On est des points S. On est de partout. Avec une dame, il peut pas mater de toute façon. Personne n'a jamais maté avec une dame seule. C'est pas possible. Il y a de moins en moins de temps. Allez, on prend des risques. On file le fou en un. On veut faire dame prend C6. Allez mettre des échecs. Ça le met en sueur là. Là, issue. 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 Ça le fait suer ce coup. Mais il prend pas la pièce en main. Allez, on va se cacher. Issue de folie là. Si fait tour B7, on est quand même un peu mal. Tour E7, on a un peu mal. C'est pas mal d'attaques là quand même. On est quand même super mal, c'est horrible. On n'arrive pas à mettre le roi à l'abri, là c'est chaud. C'est hyper chaud. Je crois qu'on va la perdre. Je crois qu'on va la perdre. Et on va faire H4. Never in doubt. Never in doubt. Dame E4, roi G3, on protège. On est bien. Et après, on fait tour F1, on se bat.
Par prochain, ils sont une trentaine d'inscrits, on est 4. Ouais, non, mais c'est abusé en fait. H4 prend de l'espace, voilà, faut le savoir. On est bien, on prend de l'espace. Grosse prise d'espace. Fou prend D4, waouh. Bon, écoutez. Ouais, si on prend, on se fait mater. Il y aura Dame D3, Roi bouge, Dame Tour E2, on se fait mater. Du coup, on est très très mal. Allez, on va faire Dame A3, du coup. On est là, on protège. C'est chaud. C'est chaud, mais on a encore envie, on se bat. Je sais pas comment on perd pas ça, mais... On partir en... En F2, allez. Allez les mecs. On est de partout. On veut prendre D4 et sur Dame 2, Roi G3. Tranquille. On est raide de partout, c'est la folie. Je sais pas comment on peut tenir ça, mais bon. Et on part là-bas. C'est 5. Ok, Dame B3, peut-être un jour on prend F7. Oh les voleurs. Oh les voleurs, peut-être un jour on prend F7. Allez, tour F1. Il peut prendre D2. Prise, prend E3. Prise, et quand il reprend E3, il y a tour D8 mat. Intermédiaire. Allez, faut prier pour que ça marche. Si ça marche, c'est formidable. S'il rate le tour des 8 maths, on fait un i sous de groupe. Allez, si jamais ça marche, je veux un grand i sous de groupe. Oh, il l'a vu. Il l'a vu. Mais ok, on lui tape son pion. C'était peut-être pas une bonne idée de taper le pion d'ailleurs. Mais ok, peut-être. Comment on peut faire pour s'organiser ici? C'est dommage qu'il l'ait vu, quoi. C'est quand même complètement foutu. Okay, on va faire ça. Ouais, s'il fait tour Dame F8, on est foutu. Il peut gagner avec le clouage. Ouais, s'il fait tour F8, on est mort. On est mort de chez mort. Tour prend des deux et ça gagne. Dame C4, peut-être encore plus fort. J'ai l'impression qu'on va perdre. La Dame H4, échec. On vient là. Allez, on espère Dame H2. Peut-être pas l'espérer trop fort. Parce que là, c'est le issou quand même. C'est dommage, c'est 5 secondes par coup là. C'était quoi cette idée de mettre 5 secondes par coup? C'est Sam qui a eu l'idée de mettre 5 secondes par coup. C'est abusé, 5 secondes par coup.
Allez, je tente un issou. Fou prend E3, il se fait mater. On est là, quoi, on se bat, hein. On se bat comme des morts de faim. Ah, il l'a vu. Il voit tout. Allez, on va faire... fou prend. Tour et fuite échec. Oh, il l'a vu encore. Il l'a vu encore. Ok, bon, on va prendre... Espérer qu'il n'y ait pas de maths. Il a des bons réflexes en tout cas. Et on va espérer qu'il n'y ait pas de maths. Allez! Allez les petits! Ah, c'est bien joué ça encore. Il vient me prendre à revers. Allez, dame F4. On tient la case F7. Et dame E4, contre-échec! 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 Contre-échec, petit! Oui, petit! Oui, petit! Oui, petit, Karapsioun! Mais quelle défense! Mais quelle défense! Les amis! Les amis, on a tout défendu! On a tout défendu! On a tout défendu et on a tenu et on a tenu et on a gagné et on a gagné. Quelle défense! Karabayoun en sueur. Oh la sueur! Ah c'est cool les mecs, on a gagné. Allez. Alors le deuxième match, on va participer. Faut qu'on s'inscrive en masse, mais on n'est pas du tout inscrit. Allez, on va remettre le lien. Y'a Tengaki. Boum la qualif. On est là, on est de partout. On est en finale, on est en finale. On l'a tellement arnaqué les mecs, sérieux. Allez, je mets les liens pour le deuxième tournoi. On joue le titre, les amis. Ça devrait être arnaqué, ça devrait être interdit d'arnaquer comme ça, me dire Birshimona. Mais non, Birshimona, c'est la vie, ça. Elle était sympa, quand même. Je sais pas comment on a tenu ça, les mecs. On était complètement raide. On a quand même arnaqué ça, les mecs. Et tour F8, ça. Ouais, je pense que s'il avait joué tour prend. Prise et tour prend là. J'ai l'impression qu'on faisait la gueule. Dame des 8 échecs et fou F8. Rideau. Il était pas loin. Il était pas loin. Ouais. C'était chaud, hein. On était là, on était là, et là, bim! Et c'est là en fait, c'est fou C3. Fou C3, ça l'a mis en sueur. Fou C3, c'est le coup de la partie. Fou C3, ça l'a mis en panique. Fou C3, il a paniqué. Il a fait ça, et puis après, on a fait tour F8. Et tout d'un coup, tout se défend. Samba! C'était pas mal. L'évaluation de Birshimona, il nous demandait d'en demander du moins 9. Eh oui, les amis, moins 9. Moins 9, c'est rien, les amis. Doc PH qui s'est fait voler la première. Mais jamais on t'aura volé comme j'ai volé Karapoyoun. Le pauvre. Ça m'a mis drôle alors qu'il n'y a eu que deux répétitions. Ouais. C'est chum. Bon allez, on est presque pas inscrit là au prochain tournoi. On est 8 alors qu'eux ils sont 50 quoi.
Allez les mecs là, on a perdu comme qu'on est on a perdu contre des perdus là, on est nul, on a été nul, 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 nul. On a été nullissime, on a été nullissime. Mais c'était marrant de l'arnaquer. Mais je sais pas si vous aimez les streams en délire, on arnaque des mecs. Je sais pas si ça vous fait kiffer ou pas. Moi ça fait kiffer de le voir abandonner en niveau sûr. Genre il est complètement gagnant, genre dame D5, dame E4, il abandonne en mode ah ouais, genre je suis en sueur. Oh comment il a sué. Ouais, c'est le genre de partie quand tu perds, ouais, quand t'es Karou Payoun, tu te dis j'arrête les échecs. Dame E4, échec KO, ouais. Fatality. Samba! Ouais, faudrait que je mette cette musique quand on gagne des parties comme ça. Alors attends, il y a Carapoyne qui écrit quoi? Ah oui, il m'a complètement, il a complètement insulté, c'est génial. Mais où est-ce qu'il a écrit ça? Merde, je vois pas. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. C'est fantastique, il m'insulte complètement, il en sueur dans le chat. Il a écrit un petit IC par contre. C'est génial, il est en sueur. Bon, on est très heureux, bien évidemment. On va le rejouer, on va le rejouer. On a une nouvelle fenêtre. Ouais, je sais pas, il est en sueur. Mais il a écrit IC, c'est ça qui est bien. Et la Shangja subito la marea. Issou. complètement. Il te vénère. Ouais. Il est vénère, il me vénère. Après, je comprends, hein. Il s'est pris une telle PLS. Il dit juste j'ai fait ce que j'ai pu. Ouais, je sais pas. Il dit il sait de toute façon, c'est important. Ah, il a fait ce qu'il a pu. Ouais. Et ben, il a pas pu grand-chose. Bon, allez, faut qu'on s'inscrive là. On est deux et demi là, les mecs. On est deux joueurs et demi là. C'est abusé. Allez, les mecs. Non, il m'insulte pas en fait. Je suis écœuré. Allez, le prochain c'est 15 plus 3, on enchaîne. C'est 5 plus 3 la prochaine. Et l'inscription c'est ici. Là, vous pensez que c'est devenu un mage noir? Salut Del Château. Ouais, le mec a perdu les seuls points de sa team. Y a que des numéros 10 dans ma team, les tontons. Si, si. Allez, on s'inscrit, les tontons à fond. On les défonce dans le deuxième match. Là, y en a marre. Ouais, je vois qu'il y a Ethan qui est là. Ethan qui est chaud. Il y a Vinches 2016 qui est là. Il y a Trichette dans ta face. Allez, moi, je pense qu'on peut le faire le prochain. Sacrificiotal. Poulpinator. Je pense qu'on est là. Allez, on continue à s'inscrire à fond. On les poutre à la prochaine. Nanana. Allez, on se fait des petits bullets. Nanana. Salut Malcomanco. C'est fantastique quoi, je chante comme une merde. Totoro qui dit, je me suis inscrit, c'est grave, je suis pas aussi chaud que toi. Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non, Totoro, Totoro, 932. Allez, allez, on y va. On joue contre qui? Allez, on joue contre Wyme. Allez, bon, écoute, on va lui rendre le pion E4. Ah, j'aurais pu faire dame prend G5. Il est nul, il est nul! C'est dur de jouer contre des nuls en fait, parce que tu peux pas anticiper leur coup, vu qu'ils sont nuls. Allez, on va ranger le cavalier, on va lui prendre ça. On va mettre le fou en G6, il va faire D4, on va faire E5. Peut-être pas si terrible que ça. Faire C6. Prise, prise.
On va roquer. Il rock, on va faire H5, on va prendre de l'espace. Ok, C4, je sais pas ce que ça vaut. On va prendre là, on va coller une tour en D2. On va coller une tour en D8. On va faire un H4 prophylactique. Il va prendre, on va prendre H2, prendre B2. On va prendre B2. Fou D5 bien joué. Roi F8 pour faire F6. On va aller voir un peu si on peut attaquer le roi. On va se mettre comme ça. On va faire A5, on va faire F6. On va échanger et puis on va faire nul, hein. Ok, pas de chance. Ok, c'est pour se chauffer. C'est pas mal de prendre la petite nulle à la fin. Est-ce que je connais Jean-François Gentil? Ouais, du club de Monaco, ouais, bien sûr. Ou Jean-Philippe peut-être plutôt. Ouais, bien sûr, je connais. Alors, pour le prochain tournoi, c'est ici, hein. Faut être inscrit au club France en premier. Non, mais je veux pas le signaler. Il n'y avait pas besoin de signaler, il a rien fait, lui. Allez, comment il s'appelle? Star World 2023. Le monde des étoiles 23. Ah, ça me fait carré 4. Bon, là, je suis complètement foncedé. Des petites finales. Ouais, j'aime bien quand on me fait C4. J'aime quand on me fait C4. J'aime ça quand on me fait C4. Ouais, on va te faire B4 à 4. Et on va te jouer à l'aile roi, tonton. On va t'enfermer ici. Et on va aller te jouer à l'aile roi. Ça, c'est pas terrible, fou F4. Ça, on s'en fout complètement. Position est fermée. Pas dit que les cavaliers soient moins forts. Bon allez, on est mal, mais on a plus de temps. On est mal, mais on a plus de temps, mais on est vraiment mal là quand même. On a plus de case pour la dame. Bim! Ah mais ça marche pas. Il y a dame D6. Ah, c'est la poisse. Ça aurait pu fonctionner en plus. Ça aurait même dû fonctionner. Un truc pareil. Ouais, ok, faut qu'on garde le fou absolument. Issou, la chancre, là, on a le temps de te faire ce qu'on veut. Issou, les deux pions plus forts que tout. Il est écœuré, il est écœuré, il s'est fait arnaquer comme les autres. On va faire une chanson quoi. La chanson des mecs qui se font arnaquer. Il s'est fait arnaquer comme une merde. Nanana, nanana, nanana.
Allez les mecs. Ah merde, j'ai raté ça. Ah merde, là on est mal. Celle-là, on va la perdre, les mecs. Six voix fou. Waouh! Je dis waouh! Ça, c'est bien joué. Bon. Là, on est bien foutu. On n'a aucune chance. Ou presque. On a quand même les deux pions passés. Allez les tontons, les pions passés. Allez, faut qu'il soit quand même sacrément nul pour la perdre. Mais il nous a prouvé par le passé qu'il était nul. Ah, il y a Dame E6 et il y a Dame prend F6. Ah, j'étais pas si loin que ça de l'arnaquer. Il nous avait prouvé qu'il était nul, mais on n'a pas réussi à la gagner. Pourtant, il nous a prouvé par le passé qu'il était sacrément nul. Ça, c'est pas la théorie qui a été deux, c'est mauvais. Bon alors. Il nous avait prouvé par le passé qu'il était sacrément nul. Va-t-il nous reprouver? Va-t-il nous le reprouver? Alors, on attaque son pion. On va aller par là-bas. Ok, j'ai 3, mais j'ai tour point F7 qui passe peut-être. Qui va faire A4 échec. Avec idée, roi prend tour 1, il y aura qu'à C5 qui rôdera. Na 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 na. Ouais, bon, du coup, que ça, c'est pas si mal en fait pour lui. Mais il se fait un peu raser. Mais il se fait un peu raser. Ou pas. Non, non, il se fait pas raser. Il a une contre-arnaque de folie. Mais il a plus de temps. Son problème, c'est la pendule. T'as plus de temps. Et je te troll. Et je te troll en te donnant la tour en un. Et tu dégages. T'es en sueur. Alors. Comment est-ce qu'il va me la jouer? Je vais lui échanger son fou. Ça va lui faire les pieds. Allez. On va fermer le jeu. Et on va aller se placer. Bim. Bim, bim, bim. On prend du pion, bien sûr. Bim. Bim. Allez, on va prendre ça. Allez, on va se faire plaise. On va se faire plaise de folie. S'il fait dame D2, on a tour 1, roi prend, dame A6, dame A2, dame A1. Ok, il veut partir. Essaye de partir, tonton. Essaye de partir.
Tu pars quand même? Même pas, je te prends la tour. Même pas, je te prends la tour. C'était un misclic, du coup, on lui a pas pris. Il abandonne. Même pas, on t'a pris ta tour parce que c'était un misclic. Même pas, on te la prend. Même pas, on te la prend. Bim. Il est déjà en sueur là. Il est déjà en sueur. Il se dit le con va me pousser les pions sur ma gueule. Bon, ça c'est complètement con là ce que je viens de jouer, c'est génial. C'est fantastique. C'est complètement con. Allez, il y en a de partout. Ok, c'est super mal joué. C'était super mal joué. Ça nous fait marrer du coup. Bim. Et rebim. C'est génial. C'est une partie tellement ridicule qui en revient. Ah, ok. C'est chiant ça. J'aurais dû échanger ma tour. J'ai fait de la merde. J'ai voulu m'amuser, j'ai mal joué. Allez, on monte. On monte à la volée. Allez, bim! On n'a plus de temps. Ah non. Il nous a fait tomber. Allez, on en refait une. Allez, on va le troller à fond. Allez, on le troll à fond. Allez, grand rock, on y va. Ça va être un peu juste. On va faire de notre mieux. On menace mat en 1. Sur B4, on est mal, hein. On est mal de partout. On va devoir revenir. On rebrousse chemin. On prend une fois, on vient de cailler en D4, mais on est super mal. C'est la catastrophada, les amis. On a voulu troller, on ne réussit plus à le troller, lui, c'est fini. Petite finale désavantageuse. On se défend. Allez, on se défend, les mecs.
Yes! Yes! T'es nul! T'es nul! T'es nul! Allez, on le reprend. Allez, t'es nul. Bim, échec. Allez, il est nul. Allez, on se bat, les mecs. On envoie les coups, on envoie les coups, on se bat là, on a un petit coup de mou. Allez, on est parti. Allez, on est bien, on est bien, on est bien. On transgresse tous les principes des échecs, c'est génial. On envoie des pions sur les côtés. Fait que de la merde. Bim, tour H4. C'est fantastique. Et allez, on arrive de ce côté-là. Il est en sueur. On protège. Bon, allez, on est super mal. Et je vais prendre là. Ah, ok. Il y a KC2. Ok, on a évité son piège. Ok, on monte le roi à fond. Ok. Ok. Quand t'as tapé le pion. Ah putain. Ah, on est tombé. Aïe, aïe, aïe. On manque un peu de temps. On a manqué un peu de temps. C'est dommage. C'est très dommage. Qu'est-ce que je fais là? Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Bon allez, on s'amuse, hein. On va le laisser attaquer. Allez, prends. Allez, come on. Come on. Et on va faire dame ici. Ok, mais ça, ça va, hein. Ouais, ça va peut-être vite fait, en fait. Allez, on va s'activer. Ça a très vite fait en fait. Ok. C'est peut-être un peu la merde. Alors on va choper une caloche, mais c'est pas si simple à jouer que ça quand même. Ça c'est hyper dur à jouer. Pour les noirs. En bullet, c'est hyper dur ça. Parce qu'on a qu'une pièce pour ce truc et il y a les pions qui poussent. Je trouve qu'ils jouent très mal par contre. Ouais, alors on va faire un échec. C'est la catastrophada.
Non, non, non. Ah non, on est tombé. Aïe, aïe, aïe. Bon, il a refusé de jouer. Alors, ce match. Bon, on a essayé de le troller. Allez, on peut s'inscrire là. J'arrive dans une seconde. On a quand même gagné, hein. On l'a quand même battu. On l'a quand même battu, on l'a quand même mis en PLS. Peu importe, quoi qu'il se passe. Toujours en place. Ouais, les pré-moves, en fait, il m'a eu. Il a fait des pré-moves plus bizarres que les miens. J'aurais pu le battre, mais bon, c'est pas grave, écoutez. On remontera plus tard en bullette. J'ai dormi que 3-4 heures, hein, cette nuit, les mecs. Je suis un poil claqué. Je sais pas comment ça va se passer l'arena après. Mais on se bat à fond. On se bat à fond, les mecs. On est là, on est bien, on est assis, on se fait plaise. On est tranquille, j'ai envie de dire Despacito, hein, j'ai envie de dire Despacito. Ça commence dans 4 minutes, on va les troller. Bon, mais là, j'ai quand même battu 4,5, 3,5, donc voilà, enfin, il est nul, tu es nul, quoi. Mais j'aurais pu lui mettre plus. Allez, on commence dans 4 minutes, on s'inscrit à fond pour le tournoi, on n'est pas très nombreux, allez, on leur colle des bulles. On leur colle des bulles. On joue contre Schnitez. Une grope contre un 24-60, ça va être chaud, les mecs, on va faire une grope. Issou, issou. Issou, 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 issou. Allez. Allez les tontons, on fait une grobe. Allez, allez, allez. Je veux voir des pouces en l'air pour la grobe. Allez la grobe. La grobe, la grobe, la grobe, la grobe, la grobe, la grobe. Et alors que le joueur français s'apprête à jouer une grobe face à l'espagnol, il est bien le français, il est bien le joueur français qui va sortir la grobe. Attention, Ethan Saya au 3 qui va jouer contre Lys Files. Arthur Lucas au 2. Vinches au 3, Trichette dans ta face au 5, Sacrificio Tal au 6, Neonjol au 7, Signe de Mizard au 8, Emmanuel Guignard, il est là, Manu au 9, Poulpinator au 10, Elias au 11, Tyrion 46 au 12, Canassic au 13, Ben 6400, Code Postal représente le 64, Tonton Ben au 14, DJ Oz au 15, Algrad au 16, Ikaru Tetcher au 17, Double Pono au 18, Didi 1984. Blas est ta date de naissance au 19. Thibaut 855 au 20. Random Céliste. Sabre Doré au 22. Robert Solure. Antoine le Viking. Steel Fox au 25. Ben Spy au 26. Atlassian au 27. Ondoval au 28. Et Totoro 93 du 9-3 à Sissi représente le 9-3 à Tonton. Même Caris et Booba en sueur devant Totoro 93. Allez, allez les tontons. On se lâche, allez, on les défonce ces Espagnols. Allez les tontons, on se fait plaisir. Allez, moi je balance une grobe. Moi je fais une grobe. Comme ça, ça c'est dit. Ça c'est dit, moi je fais une grobe. Vous je sais pas, moi je fais une grobe. Allez, on les bat les Espagnols, on les bat. Team France, Team France, Team France. Ici c'est Paris, tonton. Il y a Cryptal, 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 Cryptal. Allez Cryptal. Cryptal! Tu le défonces! Cryptal au 3 contre Luis Files! Cryptal! Cryptal! Allez! Boum, Cryptal! Tarol qui fait une grobe puis une gruise. Allez, moi aussi je fais ruise noire, grobe blanc. Cryptal! Cryptal! Allez, Cryptal! Allez, Cryptal, on se bat! Allez, on leur fait des grobes, on leur fait des ruises, ils en peuvent plus. Cryptal est dans la place. Et vendredi prochain, je sais pas contre qui on joue, mais on rejoue vendredi prochain à 18h. On sera de nouveau là. Et ça c'est vérifiable, les amis. Allez, on va vous péter les tympans. Allez, Cryptal, tu vas jouer contre César Ugarte. César Ugarte, rentre chez toi. Allez les tontons devant, on est plus fort, on est costaud devant, on est costaud. Et allez, moi je vais faire une grobe et c'est la vérité les amis. Et c'est la vérité, la grobe elle va partir avec les blancs. Elle va partir en 5 plus 3 la grobe. Et Meuseur, merci à le renard fou qui vient de s'abonner au niveau 1. El Renardo loco. Habla español, español. Hablo espagnol, el Renardo loco. C'est pour nos amis espagnols, pour pas qu'ils pensent à les boum. Boum, la grobe, Schnitez. Boum, la sueur.
La sueur pour Schnitez. Allez, boum, D5, tu fais comme l'autre de tout à l'heure. Boum, fou G2. Boum, G5, l'attaque spike. Ton cavalier peut plus venir au centre, je contrôle le centre. Bim, D4. Schnitez en sueur devant la grobe. Bim, dame prend, je centralise ma dame. Ouais, Schnitez en sueur. Schnitez. C'est peut-être un chat, hein, on fait des ch. Allez. Comment fait-on maintenant? Bon. Un petit temps d'arrêt là. J'ai envie de dire bim E4. J'ai envie de dire bim E4 et s'il fait C5, on retourne en D1. Allez les amis. Cavalier A6. Il veut faire fou C5. À la rigueur, vous savez quoi? On va le provoquer. Fou C5, dame prend G7. Et sur C5, on va reculer en D1. Et on mettra le cavalier en D5. Schnitez en sueur. Cavalier B4. Ça, honnêtement, j'avais pas vu. Faut être honnête, j'avais pas vu. On va faire dame D2. C'est dans l'esprit à fond, on bloque notre propre fou. S'il fait pion, on prend. Je pense qu'on échange les dames et fou prend E4. On est très bien. De toute façon, on a ce pion en G5 qui est très fort. Et sinon, on fait A3, B4, fou B2, grand roque. Ok, bon, cavalier E2, c'est pas grave. On va faire cavalier F3, cavalier F4, D3, bon. Là, ça devient un peu grave, mais on va faire pion prend. Roi F1, le roi de la grobe, très bien placé en F1. Y a aucun problème, les mecs. Position très saine pour les blancs. J'ai un peu peur de fou C5, mais bon. Je vais quand même... Je tire un peu la gueule s'il fait fou C5, mais bon. Fou C5, dame C3... Ok, prend F2, dame prend C5, on est là. Fou B4. Bon, on va faire cavalier C3 de toute façon. Si je fais fou C5 là, je fais un peu la gueule quand même. Ok, il développe son cavalier. Alors, comment on va se développer, les mecs? Peut-être qu'on fait... Dame C2 pour sortir notre fou. On a cavalier E2. On a pas mal de coups candidats, mais on est quand même très mal, là. Quelle catastrophe. Allez, dame C2. Je vous cache pas, c'est dur. On échange. Je vous cache pas, c'est dur. Mais bon, ok, E2, on est là. On se développe. Ah, j'ai oublié ça. J'ai pas vu. Bon, bah là, on peut abandonner quasiment. Aïe, 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 on peut quasiment abandonner. Ah, j'ai pas vu. J'ai pas vu, les mecs, désolé. J'ai pas vu. Oh, je vais perdre contre un maître fit, putain. Alors on est carrément complètement foutu là. Y a rien à jouer. Hein. Y a rien à faire, les amis. Y a rien à faire.
15 plus 3, c'est vraiment pas une bonne cadence pour la grob, quoi. On va prendre du cavalier. La tour qui va quand même venir en D2. On fait la gueule quand même, hein. On va faire KE3. On a perdu, on était sur notre lancée. Mais la grob n'est pas passée. Non, mais là, on a juste aucun jeu. Si on avait le roi en G1, enfin en H1, la tour quelque part et tout, peut-être, mais. Peut-être sur K B4, on aurait dû jouer plus normal. On en sûr. Ouais, en plus qu'on perd contre un maître feed, donc ça c'est toujours l'humiliation maximum, hein. C'est vraiment l'humiliation maximum de perdre contre un maître feed, mais bon. Ce qui est génial, c'est qu'il réfléchit à fond, quoi. Genre, c'est. Il est tellement nul, quoi. C'est ça qui est d'autant plus rageant, quoi. Oh, il m'en sueur. Dame prend, y'a mat. Oh, cette mise en PLS. Cette mise en PLS. Cosmique. Mise en PLS cosmique de la part du joueur. Adverse. Là, s'il fait cavalier F4, je suis en sûr. Bon, il a pas fait. Ça gagne en 1. Ça fait KFK, je suis toujours en sueur. Bah, quand même deux pions moins dans la finale. Ouais, mais bon, le truc, c'est qu'elle est complètement foutue cette finale. Ok, je vais faire fou E2. C'est la catastrophada, les amis. Enfin, on aura bien résisté quand même, hein, n'empêche. Mais bon, on a trop de retard. On part avec trop de retard. On va faire tour prend A2, on va faire E5. On part avec beaucoup trop de retard. Peut-être la ruse va mieux passer. Part de loin. Ouais, il envoie les deux pions. Va mettre la tour ici. On va tenter une micro-activation. Il n'y a pas de piège, il y a trop de retard. À vrai dire, même tour prend F2 gagne. Très facilement. D'ailleurs, je pense que j'aurais peut-être fait tour prend F2 perso. Ouais, c'est ce qu'il fait. Et ça perd. Parti trop loin. Partait trop loin. C'est dommage, hein, parce qu'on le sentait pas sûr de lui. Alors on va tenter la ruse. Mais qui a eu l'idée de mettre des rajouts de temps aussi? Quelle horreur.
Il aurait qu'un pion de ce côté-là, il y aurait encore moyen d'arnaquer. Mais il réfléchit tellement longtemps. C'est toujours très frustrant quand tu perds contre quelqu'un et tu vois que le mec est nul. C'est toujours très très frustrant. Parce qu'on le sent clairement galérer, hein. Je pensais pas qu'il est par là. Aïe, aïe. C'est écœurant. On va abandonner. Bon, allez, on va lui faire une ruse, on va espérer que ça marche. J'espère que ça repart vite là la prochaine. Allez, ça repart direct. On se fait défoncer 26 à 4, de toute façon. On va tenter une ruse. Au pire, on perd 2-0. Attends, il empêche la ruse. Il n'y a pas moyen. Au pire, on perd 2-0 et ça nous arrangera pour la vraie arena qui débute après. Mais bon, peu de sommeil, j'ai peur que ce soit dur. Mitane qui a perdu, heureusement que Vinches a gagné. Louis Siles contre Cryptal, allez, Cryptal, faut le faire. Hein. Petit fou B7. Allez, on va faire D6. Allez, on fait une petite ruse. Il y a vraiment des gens qui regardent ça, visiblement, du soir, nous demandent JP Chen. Mais bien sûr, JP Chen. Ethan qui a perdu. Mais Ethan, de toute façon, on se fait défoncer. Hein. Il y a 30 à 5. Moi, j'ai perdu aussi. On est nul, hein. On se fait défoncer, en fait. En vrai, on se fait défoncer. Et moi le premier, hein. Moi, si je tente la ruse, quoi. Mais. On sent quand même que c'est pas une communauté de marrants, les Espagnols, hein. On va voir. On est mal parce qu'en fait, il faut surtout pas faire la grob quand ils peuvent, la ruse quand ils peuvent mettre trois pions en face. Là, on est sur une ruse pas très qualitative parce qu'il a pu jouer F4. Donc ça, c'est la cata pour nous. Mais on va essayer de faire quelque chose. Va essayer de faire K B6, Dame D7, Grand Roque. Parce qu'on est en train de jouer, hein. On joue très rapidement de toute façon. Et on va faire grand roque. Et on va envoyer. C'est vrai que tu as l'habitude de perdre contre Barcelone. Ouais, mais la défaite d'hier, François-Jacques, honnêtement, on n'était pas déçus. Franchement, on n'était pas déçus. La défaite d'hier, on n'était pas déçus. On était déçus du premier match, mais le match d'hier, on n'aurait rien pu faire de toute façon. Donc, aucune déception, franchement. Après, on est mal parce qu'on peut pas. Demain, on aura. Lundi, pour le match de lundi, on aura du mal, François. Mais autant le match de la Norvège nous a vraiment mis en PLS, autant le match d'hier. Ok, bon. Autant le match d'hier, ça nous a pas. Ça nous a pas affecté plus que ça. Mais c'est sûrement, s'ils continuent à jouer aussi bien, c'est sûrement la meilleure équipe de la ligue. Donc on verra. Après, peut-être qu'ils baisseront un peu de régime. On verra s'ils baissent de régime par la suite. Mais s'ils jouent aussi bien que ça tous les matchs, ils sont partis pour. Ils sont partis pour l'emporter.
Est-ce que tu penses que les espérances viennent sur Steam pour se foutre de notre gueule? Peut-être. Donc. Tu mets ça fait un don de 1000 euros. Je sais pas en fait ce que les dons, du coup, comme c'est pas à moi qui les gère. Je sais pas si c'est vrai, pas vrai ou quoi, mais si c'est vrai, merci, hein, merci à toi. Les dons là, c'est de Chesscom, donc je sais pas. J'ai pas la main dessus, je peux pas vérifier, malheureusement. Mais si c'est le cas, grand merci à toi. Tilmo, il faudrait que j'aille. Faudrait que je récupère le Streamlab. C'est faux. Bon, pas de chance. Mais vu que c'est pas moi qui les gère. Alors, je sais pas si on peut défendre ça. Ok, si c'est du fake, c'est du fake. En tout cas, si ça avait été le cas, j'aurais dit un grand merci. Comme c'est un fake, non, bon, on essaye de choper le pion H6. On essaye de choper le pion H6, on se bat à fond. Bon là il avait rien vu mais il a un poil de chance parce que 5 et pas marche pas. E5 s'oppose à pion prend et qu'il prend E5 malheureusement. Mais sur... Eh, il y a ça en prise aussi. Ok, on va faire qu'il C4 pour commencer. Comme ça on va se débarrasser du fou. Le fou là-bas nous gênait sur cette diagonale dès qu'on voulait pousser au centre. Et maintenant on va peut-être faire un truc avec Dame F7 menace ça et E5. Voire même là peut-être E5 prise 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 et Dame G4 à la fin. Ah il fait E5 lui-même du coup. Ça pour la peine c'est bien joué. Ok je vais prendre une fois. Je vais faire Dame F7. Non. Je vais faire Dame F7 quand même. Prendre ici. Ah ouais, mais il y aura échec en A8 à la fin. Putain. Ah, j'avais pas vu ça. Je voulais faire prise, prise et prise et gagner sur le clouage, mais il y a dame A8 mat. Bon, on est très mal alors. Alors on est raide. Alors on est foutu. Si c'est comme ça, on est foutu les mecs. On va se prendre le cavalier sur E5. On peut pas prendre là-bas parce qu'il y a la diagonale qui est ouverte. Le roi est trop faible, on est raide. On est fichu. La ruse est pas passée. La ruse n'est pas passée. Là, on est mal. On est très très mal. Ok, est-ce que je tente fou prend F4 qui est prend F7, tour prend H2? Mais il y aura dame prend C4 et ouais, c'est horrible. Et si je fais dame prend F6? Bon, allez, faut lutter avec dame prend F6. Le problème, c'est que Dame prend C4 est hyper fort ici. Parce que sur Fou prend F4, ouais, peut-être, quoique. Alors, attendez, Fou prend F4 marche toujours pas. Fou prend F4. Ok, prend F6. Tour prend H2, mais il y a ça en prise à la fin. Est-ce qu'il y a des 4 qui arrivent F6 qui arrivent là, qui prend C3. Ouais, je crois qu'il n'y a rien qui marche là.
trop de trucs qui restent en prise. Ok, G4, c'est bien joué. J'ai trop de trucs qui restent en prise. Dame prend C4 et j'ai trop de choses en prise. C'est dommage que j'ai cette tour en prise. Et il prend ici? Hein, alors c'est peut-être pas si clair. Ça, c'est peut-être pas si clair. Parce que là... Parce que là, c'est pas si clair. J'ai pas de chance, peut-être fou E5, fou D5. S'il y a un fou E5 qui marchait bien, ça aurait été nickel. Mais je l'ai pas. Soit je joue pour E5. Mais je vais me faire. Non, je vais faire quand même ça. Il va faire ça. Je vais prendre et je vais mettre le fou en D5. Et quand il fait cavalier là. Et quand il fait cavalier là, j'ignorerai. Je ferai C6 et je vais blinder. Je reprends comme ça et je me blinde. Peut-être je la tiens. Dommage qu'il rajoute temps parce que sinon je le faisais tomber. Il sait. Ok, c'est pas encore complètement fait. Ça, j'aurais peut-être pas dû laisser faire. Du coup, j'ai envie d'aller essayer la gagner, mais bon, c'est un peu tendu. J'ai envie de faire A5 et A6 qui est machin et aller lui taper le truc. Truc, c'est que j'ai envie de la gagner, hein. Forcément, je suis ambitieux, je la arnaquais déjà un peu. Avec ID7 échec ici. Non, il fait pas. Ok, je vais faire un truc bizarre, je vais prendre comme ça, je vais rester solide. Ok, je peux déjà faire nul, mais je veux bien évidemment pas. Comment est-ce qu'on peut pousser? Je fais un à 4, machin. Bon, ça pousse rien. J'aurais peut-être dû prendre de l'autre pion du coup. Je vais qu'il est ici quand même. Ok, on va pas faire nul, ok, on va tenter ça. Ok, bon, lui il veut nul. On va bouger les pièces pour le moment. Comme dirait Vlad. Non, 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 non. Ah, oh, je suis nul. Ah, oh, je suis nul. Ah, oh, je suis idiot. Ah, oh, je suis idiot. Quel con. Ah, oh, je suis idiot. Ah, oh, la fatigue. Ça, des fautes d'inattention avec la fatigue. Aïe, aïe, aïe. Ah, oh, je suis vraiment tellement idiot. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave.
C'est les fautes d'inattention avec la fatigue, ça. La fatigue, ça fait pas mal jouer, ça fait faire des petites fautes comme ça, idiote. Aïe, aïe, aïe. Bon, après, objectivement, fallait juste faire nul, hein. Objectivement, fallait juste faire nul, mais bon. On essaye de s'amuser, hein. On essaye de s'amuser, de rigoler, parce que sinon, c'est pas drôle. Sinon, c'est pas drôle. Ben ça, il n'y avait vraiment rien à forcer, mais j'aurais dû prendre de l'autre pion pour essayer de la gagner. Ouais, le mec a une position complètement gagnante, il a joué pour faire nul. On l'avait bien arnaqué quand même, hein. Mais j'aurais dû prendre de l'autre pion pour essayer de la gagner. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est la vie, c'est pas grave, hein. Ça a aucune importance. De toute façon, le match est perdu. C'est pas du tout important. Alors, du coup. J'ai pris deux bulles comme toi, Gab. Ouais, mais tu sais. Non, mais là, je suis content de la ruse quand même. Je l'ai bien retourné. Le mec est quand même 24-80 en 5 plus 2, position complètement raide. Ouais, je suis assez content de la game quand même. Je suis assez content de la game. Après, bon, on essaye de la forcer parce qu'on veut rigoler sur le stream, hein, mais c'est pour se marrer, hein. Alors, le dernier tour, c'est du 2 plus 1. Espérons qu'on va faire quelque chose. Ils ont une meilleure team que nous. On va voir ce qu'on va voir. On va voir comment ça va finir. Et après, il y aura l'arena du vendredi. À 21h, ça va être chaud. Là, ce soir, je sais pas comment je vais réussir à la jouer correctement, mais. Bon. Bon. On va regarder. Attendez. Attendez, on va voir. Donc on est bon, je vérifie juste le lien. À 21h, c'est Arena King. Donc, on va partir pour le prochain match. On va partir pour le prochain match. Je vais un petit peu regarder ce qui se passe. Ce soir, il y a le rugby aussi à 20h45, hein. Ne pas oublier les tontons, hein. Montpellier-Glasgow, hein. Attention, hein. Enfin Glasgow-Montpellier plutôt. Moi, je vois bien une victoire Montpellier-Rennes. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est les 3 plus 0 ce soir, Ethan. Il n'y a plus que des 3 plus 0 cette saison. Donc. Ce dernier tour. Ah, moi, je suis pas inscrit en plus. Faut que je me barre du tournoi. Faut que je fasse quoi? Ouais, le bullet débute dans 1 minute. Waouh, les mecs, ça commence dans 1 minute. Faut qu'on les rase en bullet. Le bullet, ça démure dans débat dans 1 minute. J'ai mis le lien, mais ça commence tout de suite. Et les Arena Kings toujours sur Blitzstream. Ça débute dans 1 minute, les mecs. Faut qu'on envoie là. Faut qu'on envoie à fond. Allez, faut qu'on les batte sur celle-là.
Les mecs, y en a marre. Les mecs, y en a marre. Allez, on envoie. On envoie du sérieux. Ah, mais c'est du 2 plus 1. Quelle cadence de merde. Oh là là. Ah, je déteste cette cadence. Je trouve que c'est la pire cadence. Je trouve que c'est la pire cadence de plus 1. C'est ni du bullet, ni du... C'est pas mal à ce qu'il joue, je sais pas. Ça va être intéressant, bon, je sais pas. Et on va prendre 12 cavaliers en dedans. Bon, ok, on va mettre le fou ici. Allez, on va faire fou C4. Celui qui a E5 fera fou E2 et puis on préparera F4. On va essayer de jouer vite. Celui qui a en D2, c'est pas très grave ça. Il peut repartir en F3 en fait. C'est génial, il fait le tour de l'échiquier. Il va revenir en F3 justement. J'allais faire fou prend H6, c'est pour vous dire. Ma petite forme. Bon alors. Faire tour 1. Je joue pas très bien là. Hein. J'ai pas d'imagination. Je manque d'imagination. Mais son cavalier est peut-être un poil mal placé. Et donc, on peut essayer de faire cavalier E5, saphir, prise, prise, qui est C3, dame E3, F4. Ok, il prend, ça je suis surpris. Si on va faire cavalier E5, on va faire ça, on va échanger. Son cavalier est quand même mal placé. Et en plus, il y a ça en prise. Parce que si j'en casse A4, je suis peut-être très bien en fait. Même sûrement. Ok, je peux pas encaisser A4 parce qu'il y a B5. Mais je fais tour D1, je ramène ma tour au centre. J'attaque un peu ici. Et sur dame E7, je vais peut-être dame B4. J'attaque ici, ici. Enfin, je vais peut-être lui taper un pion. Et son cavalier H6, je souligne, très mal placé. C'est le problème de sa position, c'est qu'il a une pièce qui rentre pas en jeu. Et là, maintenant, on menace peut-être un peu E5. Mais sur E5, il y aurait C5. Encore E5, C5. Puis on prend, il y a dame prend E1 intermédiaire, échec. Donc on a ce qu'il prend E4. Et sur C5, dame C4. B5, dame prend B5. Tour B8, dame C4. Ok, je pense qu'on peut prendre. Je suis pas sûr, mais j'en vois. Toujours cette même philosophie, on ne calcule pas. On joue, après on voit. Ok, on revient en C3 avec le cavale, donc ça c'est parfait. Peut-être on veut E5 et sur C5, dame B3 échec, C4, dame prend B5, pion E5, dame prend C4. Ah mais y a pion prend maintenant. Ah mais que je suis bête. Oh, mais que je suis bête. Mais que je suis bête. Ah mais c'est dingue, c'est dingue. Tout ça, c'est les petites erreurs de fatigue, quoi. Bon, bah, du coup, c'est un peu pédagogique dans le sens où si vous avez mal dormi, vous ferez ce genre de gaffe, en fait. C'est des gaffes d'inattention avec le sommeil, le machin. C'est des gaffes avec le sommeil, ça. Ah là là. Enfin, en tout cas, pour moi, ça marche comme ça. Ah, je suis tellement dégoûté. J'avais tellement dominé stratégiquement. Ça m'énerve de perdre comme ça. Sérieux, c'est écœurant. Ok, j'ai envoyé le pion A. C'est un truc stratégique typique de bloquer C5 et d'envoyer le pion A. Ça va, le cavalier peut revenir par ici. Faut faire un poil gaffe. Je suis capable de donner une dame en un là maintenant, je le sens. Ok, on pousse. On envoie. Yes! T'es tombé, t'es nul! Yes! Bon, c'est mérité parce que c'est mérité. C'est mérité parce que c'était mérité. On sait pas pourquoi on l'a mérité, mais on l'a mérité. Ah, mais c'est abusé comme j'ai mal joué. C'est abusé le E5. Telle domination en fait stratégique de A à Z. Tellement mal joué. Oh, c'était tellement nul. Ça aurait été écœurant de perdre.
C'eût été écœurant de perdre. Alors, on va faire fou à 6. Pas mal fou à 6, qu'on masque à eu deux échecs en fait. Et fou prend F1 aussi. Bah, du coup, on va faire cavalier. Et si on fait fou prend F1, il fait fou prend ici. Oui, bon, on a gagné du matériel, c'est pas grave. Ok, il fait ça, mais on va faire dame B5, on va forcer l'échange des dames. On va pouvoir jouer la finale. Je fais F6 pour éviter cavalier E5, et on va faire E6, roi F7, fou D6, c'est tranquille. Serait bien de lui coller un petit 2-0 là en bullette. En espérant que les mecs assurent à côté. Allez. Le pion C5. C'est toujours bien d'échanger les pions doublés. On va pouvoir faire grand roque tranquillou. Comme ça, on lui colle un petit échec au passage. On va mettre le fou ici. Va mettre le pion A6, tranquille. On va faire tour D5, tour D8. Et on va y aller. Bon, tour D5 quand même, au moins on contrôle un peu. Il y a peut-être tour 1 qui est pénible. Ok, on remet la tour en D6. C'est un coup perdu. Mais c'est pas grave à la rigueur. On joue vite. On va mettre la tour ici. On recule le fou, ça c'est pas un problème. Faut que je mette le pion E5 rapidement là. J'aurais dû jouer E5. Ouais, ça c'est bien. Au moins on bloque un peu ça. Et on va faire tour D8. On va prendre de l'espace maintenant au centre. Faut faire parler les tours maintenant. On va faire un échec. On va coller le fou en D4. On va un peu échanger du matériel. Waouh. Ok, tour D5 ici. Pour aller faire tour prend A5. Ok, C4, tour D4. Attendez, j'ai un appel là. On va ignorer. Ok, sur tour prend C4, il veut faire C3. Je pourrais peut-être faire G6, F5. Ok, bon, on va rentrer dans son piège. Il veut faire C3 pour enfermer. Non, même pas. Ok, bon, on va prendre une fois. On va faire un premier échec. Un deuxième échec. Un troisième échec. Un quatrième échec. Et un échec et mat. Issou, 2-0. Voilà, on est revenu. Il nous a battu 2-0 en 3, en 5 plus 2. On aurait pu faire 1,5, 2,5. Mais en bullette, on a fait respecter la loi. On a fait respecter la loi, les amis. Mais bon, on perd quand même 19 à 8. Mais bon, on a amené nos points à l'équipe. On a marqué 2 points. On a marqué nos points. On a marqué nos points. Attendez, hein. Hop, on a marqué nos points. Ouais, fallait marquer, fallait marquer. Mais bon, on va perdre quand même. Bon. C'est dommage qu'on n'ait pas. Ouais, mais c'est derrière, on est moins fort. Hein. On a des petits élos. On se fait dominer derrière. Devant, on est plus fort. Devant, on est plus fort, mais derrière, on a souffert.
Ah, c'est dommage, les amis. C'est dommage, les amis. On a perdu contre des perdus, les mecs. Donc on sera de retour vendredi prochain pour le prochain match à 19h. Il faudra qu'on gagne, quoi. Je sais pas contre qui on joue. Je vais vous dire contre qui on joue. Il y en a marre. Non, mais c'est relou d'avoir perdu. On a perdu contre les Espagnols et vendredi prochain on joue contre les Portugais, putain. Ah non, mais si vous perdez contre les Portugais la semaine prochaine, les mecs, il y en a marre. Hein. Si vous perdez contre les Portugais, il y en a marre. On n'a pas le droit de perdre contre les Portugais. Franchement, faut gagner la semaine prochaine. Non mais là devant en plus on était bien quoi, c'est derrière, on était moins. Double poney quand même qui a battu, qui a eu une partie contre Snake Angelo. Bravo double poney, double poney. Bah on perd 22-12, hein, mais sérieux sur les bullets on était pas mal, hein, devant on a été solide. On va aller voir ce que fait Cryptal. Ah Cryptal qui a perdu la deuxième, putain Cryptal! Oh là là, Cryptal, putain t'étais notre mec quoi. Comment tu perds, Cryptal? Fais chier. Ah, Cryptal qui s'est fait marcher dessus. Oh non, il a échangé les dames. Oh là là, il a essayé de l'arnaquer dans la finale. Ah, il était pas si loin, Cryptal. Oh non. Quelle horreur. Quelle horreur, Cryptal. Ah, c'est la cata, 23-12. Allez, on va voir Arthur. Allez, Arthur Lucas. Arthur Lucas. Mais non, il a perdu. On a perdu. On perd. On perd toutes les parties. Arthur Lucas en sueur. Oh là là. C'est la catastrophada. Allez, Elias. 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 Alors, attendez, on a plus l'écran qui est bien cadré. Mais on sent quand même. On a quand même l'énergie qui est avec nous. On recadre. Allez. Elias. Elias, Elias, Elias. Allez, ne donne pas, ne donne, ne pas, ne joue vite et bien. Joue vite et bien, Elias. Ouais, c'est bien ça. Allez, Loti. Allez, Elias. Allez, joue vite et bien. Allez, il la tient, Elias. Non! 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 Il donne! Non! Il donne le pion en 1! Il avait pas besoin de pré-move! Il avait pas besoin de pré-move, Elias! Oh là là! Non! Il y a tout qui tombe! Elias! Pourquoi tu nous fais ça? C'est la catastrophada, les amis! Elias, il perd tous ses pions! Oh non! Elias! Ah non! Qu'est-ce qu'il nous a fait là? Il y a le roi qui monte, il y a le pion qui pousse! Oh, B4, B5, abandonne! Ah non, je suis deg. Et c'est la dernière partie, les amis. On va la perdre. Oh, Elias, Elias. Oh, Elias. Oh, il y a une dame, il y a une dame. Là, il va se faire mater, Elias.